Ça me tient une conduite précédente. Veuillez vous asseoir. The President, the court le président, is nous reprenons l'audience. First, we would like Judge Lavenge to finish putting questions to the nous allons donner la parole au juge Lavergne pour qu'il termine les questions posées aux témoins avant de passer aux parties. Judge Lavergne. Vous avez entendu le témoin indiquer le nombre de détenus qu'il estime avoir vu à M13. Assessed by him as, donc, ce matin, il était question de 1000, voire 2000 détenus. Est-ce que le témoin confirme ce chiffre? Detainees. Can the witness confirm this figure? The witness. When I did not really count the number of the detainees. It only based on my estimation. C'est simplement une estimation. And as I told you, there were no more than 30,000 detainees in 13. However, I cannot really tell you exactly how many detainees were there. Mais je ne peux pas vous dire exactement combien. Je viens d'entendre un chiffre de 30 000. I have just heard the figure of 30,000. C'est ça. Bien. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de 6 à 7 fosses, avec dans chaque fosse de 20 à 30 détenus. Si on retient la partie basse, c'est-à-dire 6 fosses avec 20 détenus, at the lower end of that figure, part, ça fait 120 pits détenus. And 20 prisoners per est-ce pit, we would en have a total of 120 prisoners at any given time. Endroits où on pouvait mettre pits, des détenus. Were there any other places where prisoners could be kept? The witness. I did not see there were other pits. Je n'ai pas vu d'autres fosses. People who were very weak were taken to ceux qui étaient très faibles the upper part of the pits. Étaient but dans la partie supérieure they were in the premises of that prison. That through my estimation, that was the number, no camp. More than that, no less than that. Donc, moi, je dis pas plus que cela et pas moins que cela. Vous dites que ceux qui étaient très faibles restaient dans l'enceinte du camp, ça représentait combien de personnes? The camp? That would be how many people? How many people would you think that would be? These people were kept there for just an overnight because c'était they juste pour died la nuit very quickly. Qu'on les gardait là parce qu'ils so très that's vite. Why the numbers of detainees were not very regular. People were brought in and then de people died and then more arrests were made. Qui mouraient. So on a I think d'autres prisonniers. The people who died may be more than what I could estimate. Et peut-être qu'il y a eu and plus people de gens who qui sont morts que je peux compter. People who killed without torturés.
letting other people to see such a execution, vous and tuez, some people que personne who voit l'exécution. Were tortured severely when they arrived back at the location. They dropped dead. I also saw that. Mouraient aussi très vite. Ça, je l'ai vu. Ces personnes faibles qui étaient weak, qui n'étaient pas dans les fosses, mais qui étaient à l'extérieur, selon vous, c'était quoi? Quelques dizaines de personnes? C'était moins? C'était un petit peu plus? Vous avez dit que ce n'était pas toujours pareil, mais quel était le chiffre le plus élevé, le chiffre le moins élevé? Est-ce que vous comprenez la question? Do you understand my question? The witness, yes, I understand your honor's question. Oui, je comprends votre question. The people who were weak and there were about 10 of them when they were too weak. 10 détenus qui étaient trop faibles. Sometimes there were 5. Ou parfois 5. Sometimes there were 10, but people parfois who 10. Were taken from within the picture never been brought back because of little food that they died. Ne revenaient jamais, ils mouraient souvent de faim. Donc, si je reprends vos propres chiffres, so I'm using your own figures, the figures you have given us. 120 we have et about 210 personnes détenues dans les fosses, plus 5 à 10 détenus à l'extérieur des fosses, ce qui fait entre 125 so we have a et total of 220 détenus. Alors maintenant, je demande à l'accusé de nous dire si ces estimations correspondent à une certaine réalité selon lui. The reality as he knew it. The accused, regarding the figures, as Brother Som already mentioned several times, I would like to state about the length of the picture, 3 meters deep or 2.5 meters wide, and there were about 3 pits. So in one pit there were only about 10 people, no more than that. Ça ne fait pas plus que 10 personnes. And I would like to confirm that I never let the victims to die at that location without being executed or smashed, because the smash took regularly pour les gens qu'on exécutait, after their confessions were given to the superior, leurs aveux. Then when they said that it is time, that's complete, that the victim could be smashed, then they were smashed. No high number of detainees like that. There are only three special occasions or cases when during the fall of Udon. Quand il y a eu plus de détenus, à savoir la chute d'Udong, those people were only sent to M13 temporarily. Qui envoyés à M13 and de façon I temporaire. Think maybe Brother Sun was also sent to the northwest at that time, and then at another time, when Pumpo village was evacuated, then people were sent to M13, and at that time, Brother C. Chu Chet, the secretary of the southwest, asked the other people to arrest those people so that I can interrogate them. There were about 60 of them at that time, among that period of time. Donc, le the accused continues. So I think Brother Sun may make a guess when he talked about the number of detainees during that
when we had a high number of people. Mais qu'il se souvienne d'un moment où il y avait beaucoup de gens. His figures seem to be surplus. Ces chiffres qu'il donne sont exagérés. Je vais redemander aux témoins de nous confirmer le nombre de personnes qui, selon lui, décédaient chaque jour à M13. Chaque jour à M13, combien y avait-il de morts? In M13, on a daily basis, how many people died? On a daily basis, sometimes five prisoners die, sometimes seven. Au moins trois personnes qui mouraient. So no. In the pits, sometimes et five dans les people fosses, who were shackled together, il y avait cinq personnes enchaînées ensemble, dont trois qui étaient morts. And then the corpse, the dead body were, et alors on évacuait taken away, les cadavres. So I could see that the people died regularly. Et donc je voyais régulièrement des gens mourir. Dernière question à l'accusé. C'est a une préoccupation. Voici l'accusé. Le témoin a dit ce sont des Khmers qui ont fait ça à des Khmers. Khmer people have done this to Khmer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Do you have anything to say about this? During the time when I oversaw the M13 où j'ai supervisé until 1975, I never saw any other national je n'ai jamais vu other than the Khmer except another French man, the man who was arrested by Tamok, celui qui avait été arrêté par near National Road Number 5, près de la route nationale 5, Mr. Jacques Roiseler. Monsieur Jacques Roiseler. From him, no other foreigner except François Bizot. No Vietnamese, Bizot, no Americans. Pas de Vietnamien, pas d'Américain. So of course there were the Khmer people donc, sûr, who killed c'était des Khmer qui tuaient d'autres Khmer. Je crois que le témoin exprimait une interrogation beaucoup plus profonde. C'était de savoir comment des Khmers avaient pu se comporter de cette façon à l'égard de congénères, de Khmers. To their own brethren, to their own, to other Khmer people. The accused, thank you, Your Honor, for restating the question. It was about political issue. C'est un first, problème politique. As I told you already, d'abord, it was to smash the enemy's spies. Il fallait liquider les espions ennemis. And it was the class struggle. Ensuite, il y avait la lutte des classes. In the liberated zone, dans la which zone is libérée, the referral base, était la, and la base. The class line, the proletariat class line, was introduced. Défendre la ligne that's why Khmer killed Khmer voilà blindly because of that, tué d'autres Khmer that principle. À cause de ses principes. The President, Grand Uncle Son, I have a question. You Monsieur le témoin, j'ai une question were à vous there poser. For about 1 year, so vous dites you que vous avez passé had à peu près opportunity un an à M13. To communicate or contact with the guards et vous avez donc eu at that location, and later on you were released. Have you noticed après that cette période, vous avez été libéré? Altogether, the camera cadres, the staff in that location during your captivity, how
j'aimerais savoir combien il y avait de cadres et de membres du personnel à M13 durant votre détention, le témoin. I think maybe there were at least 50 people, au moins 50 personnes, including Deutsch himself. I mean the guards in that office, apart from the detainees. So there were about détenus. 30 people. Environ 30 personnes. The president. Question. The chamber would like to give the floor to the co-prosecutors. Je voudrais maintenant donner la parole au co-procureur, dit le président. Put some questions to the witness. The floor si vous souhaitez yours. Poser des questions au témoin. The co-prosecutor, thank you, Your Honours. Cambodia. Merci, Monsieur le Président. Son, where you live and Monsieur le témoin. And at M13, how far is it? Vous viviez où et à quelle distance viviez-vous de M13? Réponse, à peu près à 10 km. It's about 10 kilometers from my home to M13. M13 se trouvait à peu près à 10 km de chez Question. Moi. Question. How long have you known the M13? Witness says, I never knew that M13 office before, only when I was arrested and sent to that location, because at that time we lived in the jungle, we did not live in the villages because we were afraid that we would be dropped the bombs on. Les bombardements aériens. Question. Question. When you were arrested, who else were arrested? Qui d'autre était arrêté? There were three people, Takul and Tatten, who were arrested at Kna on bus. Qui ont été arrêtés à Kna on bus. Soon and Takrun arrested us. Soon et Takrun qui nous ont arrêtés. They were the Khmer Rouge soldiers. They arrested me after dinner at 6 p.m. à 6 h le soir. Question. Après where le repas. Were they sent Question. To? The two people who were arrested at that time with you, witness say they already died at the office. Où ont-ils été envoyés? Réponse. Ils étaient déjà morts quand je suis arrivé au centre. Question. Question. Dutch released. Dutch unshackled you and let you work Donc, in the security office. Was it the intention of Dutch, or was there any request from other people? Est-ce qu'il y a eu d'autres Witness demandes pour d'autres personnes? When I was arrested at the beginning for 3 days. Au début pendant 3 jours. During the early 3 days, I saw Talum. J'ai vu Talem, Takul et Takut qui sont venus au centre. I did not know whether these people came to release me. Je ne sais pas s'ils venaient pour not, demander ma libération. I heard they said that. Je les ai entendus dire. Son, we try to stop you on Son, the road, but we failed. Route, that's why you were arrested and sent to the M13. Tu as été arrêté, envoyé à M13. Since you were already sent to the M13, you should work your best at the office. And I actually, in which society I worked, I served the society the best, and I never been Moi, a spy. So when I was arrested and taken pouvais, to the M13, espion, I was so surprised because I was a very sincere person and I was accused of being a spy. Or, and actually, I only was looking to fait, buy a pig for a ritual ceremony, je cherchais un and cochon then I was arrested. À pour une and fête then religieuse. C'est we, comme ça que j'ai été arrêté. In 1973, we conducted a ritual ceremony. Nous avons organisé une cérémonie rituelle. And I knew that during the Khmer Rouge regime, Buddhism would be Or, demolished. That's why I had to Rouge, celebrate such event before it was too late. So that's why I was looking for a pig for such a celebration. And the village chief really
arrested me there. Et c'est là que j'ai été arrêté. The president. Call, son, could you please, for the good record, je demanderai make it slower, aux témoins de parler plus lentement, au fin du compte-rendu. Question from the co-prosecutor. During your captivity, did durant you notice any witness, any detainee who attempted to escape? Que des détenus essayaient de s'enfuir. Witness. Réponse. Yes, there was. Oui, il y a eu des tentatives. The person named Lon, Lon attempted exemple, to escape. He was arrested at the same time as I was arrested, and then he was interrogated, but I was in the prison at that time. Il était interrogé, mais j'étais à la prison à ce moment-là. Away for some time, but when he came back, we could not, I could not recognize his revenu, face because centre, there were bruises. Pas le reconnaître parce que son visage était déformé when par Lon les came coups. Back, quand Lon he est revenu, told me that he would not leave. So tomorrow he would attempt to il m'a dit run que away. Le lendemain, il essaierait and de s'enfuir. He was not afraid that he would be shot at. So il n'avait in pas the morning, peur d'être he asked abattu. The guard to relieve matin, himself. He was still, his wrist was still tied up. Besoins. And he tried to run et il a profité while de l'occasion he was still de s'enfuir, alors qu'il était encore attaché. Shot him. Et le and gardien a tiré dessus, c'est comme ça qu'il est mort. Shooting. So that man was called Lon. Il his wife Lon. Still lives in et sa femme Onlongtray est encore vivante aujourd'hui. Elle vit à Onlongtray. Could, the prosecutor, question. Could you please confirm whether pouvez-vous there confirmer were children s'il y avait arrested to, and sent to des enfants qui étaient également arrêtés et envoyés à the witness says, yes, réponse, there were oui. About 4 to 10 children who were detained with their parents. Avec leurs parents. Question, where were these children taken to? Question, où est-ce que witnesses? Ces enfants ont été emmenés? Réponse du témoin. I don't know where these je people were taken to because we just lost them and I never avions, seen them. Maybe they disappeared and died. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. S'ils ont disparu, s'ils sont morts. The international co-prosecutor, if you would like to make la parole est à vous, monsieur le co-procureur international. Thank you, Mr. President. No questions from me. Thank you. Merci, monsieur le président. Je n'ai pas de questions à poser en ce qui me concerne. The President, next, the Chamber would like to ask whether the civil parties lawyers would like si to les avocats des parties civiles pose any questions, questions to the witness. Au témoin. The Chamber would like to remind that la Chambre souhaiterait vous rappeler civil party lawyers que les avocats des parties civiles devraient avoid s'efforcer repeated d'éviter questions de répéter and les make questions sure déjà that posées your questions are et de s'assurer because, the faire en sorte is not, que les questions well posées soient claires, concises, to be able to understand the question le témoin clearly n'a pas suivi l'instruction before he can respond. So we should start from et donc, group one. La question est limitée, donc essayez de faciliter son travail thank de réponse. You, merci. The President and your honors, I am P. Srina, the lawyer of the civil party group one. Je suis co-avocate des parties civiles du groupe numéro 1. First, my sincere respect to the President and your honors and les plus sincères au président, people in an outside the courtroom. So I would like to ask a question to the witness.
J'aimerais poser des questions à Monsieur Hurson, notre témoin. Avant de the witness regarding j'aimerais poser des questions à votre témoin concernant sa réponse. Feel that my question vous avez le sentiment is que clear, mes questions ne sont pas suffisamment claires, et bien veuillez me demander de répéter ou bien de simplifier l'affirmation de ma question. Si vous avez du mal à vous rappeler de mes questions, si vous pensez que vous... Vous avez oublié any event regarding my question, you just say you don't remember des éléments or you ma question, remember. So question partie de ma question, n'hésitez pas à me faire répéter. Voilà, alors nous allons démarrer. During your captivity pendant votre période de captivité AM13. Did you ever see the guards bury any detainees alive? Avez-vous vu des gardes enterrer vivants des détenus? Response. La réponse. As I already told you, comme there were two dit, detainees, a female and male detainees who were beaten, but the woman did not die yet, but she was carried into the pit and buried alive. That's the one case that I saw. Elle a été enterrée vivante. Ça, c'était l'événement que je vous ai décrit. Next question. L'avocate, c'est pas civil. Tisrina, question when suivante. You were at, 13, lorsque vous étiez à M13, and you had a role to clean the premises and votre rôle était de nettoyer les lieux, l'enceinte du camp et d'enterrer les corps. Est-ce que vous avez vu les gardes to discuss the se réunir pour of débattre les méthodes de torture? Response. I have never seen réponse any meeting du témoin like that. Non, je n'ai never pas été témoin de réunion de ce type. Jamais. Question. Another question, says Tisrina. Regarding your statement en that you just made concerning the execution of the detainees, you said that there were five detainees who were tied to the poles. Among them, four detainees were tied to the four poles, and one detainee were tied to the middle pole and was shot in the head. Et, avait une balle dans la tête. To il lui avait tiré une balle dans la tête. Donc il était mort. My question is that where were the other four detainees taken to? Où se trouvaient les quatre autres détenus? Response. Où est-ce qu'ils ont été emmenés? I have no idea where the other detainees je were taken. Je ne sais absolument pas où les autres détenus ont été emmenés. I think they were taken back to the pitches. Je pense qu'on les a ramenés later on, aux fosses. These people die. Après, ces personnes sont mortes. Because I later on noticed parce that these people already died. Plus tard, j'ai remarqué died que ces personnes étaient déjà mortes. Question. When the tortures were introduced, lorsque did you know les tortures ont commencé, what did those detainees do? Or what were their the classification of the detainees? Were they from the Lon-Nol's regime, the former Lon-Nol regimes, or were they the Khmer Rouge soldiers who committed some wrongdoing so that they were tied fait des erreurs and punished? So can you tell us what kind of people they were? Sanctionnés, punis. Response. Quels étaient les types de détenus? Those people who were not shot at were just ordinary people in our village, sur lesquels like us.
tirez pas bien, c'était des villageois, villageois comme moi-même. Personnes de haut rang dans l'armée. Question, comment est-ce que vous savez que c'était le cas, que c'était des villageois comme vous? May I repeat the question? Say je me permets de répéter are you sure la question. Est-ce that que vous êtes the four detainees, que les quatre détenus, y compris who was shot celui qui, était, ordinary qui avait été abattu, c'était des gens ordinaires? Yes, it's true. Réponse, I even oui. Knew their names. C'est le cas, je connaissais même leur nom. Thank you very much, uncle. Bien, c'est tout. Merci beaucoup. Another question. Autre question. You said when you vous avez dit que were walking on the road, lorsque vous étiez sur cette route en train de marcher, you said that the person vous avez dit told que you that personne, he could not save you since you were already brought to 13 and that you should work hard so that your sentence could be reduced. Et que vous ne pouvez pas demander à ce qu'on I would like to ask peine. In such a situation, je vous demander, did you have situation, an opportunity? Est-ce que vous avez l'occasion? I mean, when you were arrested, ce que je veux dire, c'est lorsque vous avez été arrêté, as a ordinary villager, not a villageois, comme les autres, non pas, did you have an opportunity pas espion, est-ce que vous avez eu l'occasion the de demander aux gardes superiors ou à leurs supérieurs to tell that you were not a spy and that you were just ordinary villager? Vous n'étiez pas un espion, mais que vous étiez simplement un villageois comme les autres. Est-ce que vous avez eu l'occasion de leur parler? Réponse. I did tell this to j'ai effectivement comrade dit à ces deux camarades, Mir. I asked him why did you not take me to question? Because I was detained for a long time. M'interrogez pas, parce que j'étais détenu pendant longtemps. And I told him that before I die, at least I could mourir, be asked any questions. And I told questions. Him why he, I asked him why he did not ask dit, me to be que vous ne m'avez interrogated. Pas posé de and Miss told me that why should they ask you any questions because et you were looking for a pig and pourquoi est-ce que je pose des questions à le poser? Tu, I asked him this question because cochon. I asked him that since donc I was arrested, I never arrêté. Been questioned eh bien, until I was released and fait, sent jusqu'à ma libération, to je n'ai pas so du tout course, été interrogé. I did not have a chance to donc, bien entendu, je n'ai pas eu l'occasion de President, the lawyer, poser des questions. Alors le président intervient. Srina, could you please, Madame Srina, est-ce que vous pouvez vous éloigner un so petit peu plus du micro we can hear you de more manière clearly. À ce que nous puissions vous entendre votre voix de manière plus distincte? Tisrina, I have no more questions for the witness, je but may I à poser au témoin. Ask through demander. Your honors to the accused concerning the roles biais de Monsieur le Président. Of the detainees, the five detainees who were tied sur ces cinq to the pole qui étaient and that attachés. One of them was shot into the head to scare the four other detainees. Alors, il y avait une personne qui so, avait été abattue d'une balle dans la tête pour faire peur aux quatre what autres détenus. Kind of, offense, were quel était le délit charged, commis ces personnes étaient accusées de quel délit? One of them was shot at to scare the other. So, puisqu'il y en avait une qui avait été abattue, d'une balle dans la tête pour faire peur aux autres. The president and your honor, donc, puis-je demander refer this question to the accused, Madame, if Monsieur you les juges, allow. Monsieur le Président, de bien vouloir poser cette question à l'accusé? The president, the accused, le do président. You understand the question? If you understand l'accusé, the question, please compris respond. La question, si tel est le cas, eh bien, veuillez répondre à cette question. The accused. L'accusé. Regarding this matter, en ce qui I already ces questions, j'ai
informed Judge Labanche clearly déjà, if I am allowed to repeat this to the lawyer, then I'm pleased to do so. Eh bien, réitérer ma réponse. The president, alors, je suis prêt à le faire. Tisrina, could you please, le président, Madame Tisrina, repeat or clarify your question so that your question is not préciser votre question repeated, de manière à ce que because, we know that through translation, sometimes there is a loss in the translation itself, and that's why the questions may be repeated. So, could you please ask again? So, what is your actual question now? I would like you to avoid beating about the bush. Allez droit au but. Because we know the fact already and we have fait. Observed the testimony and questioning for some days. Tisrina, thank you, Your Honor, the President. My question, merci, Monsieur le Président. Ma question is regarding my suspicion, my doubt, because when the accused stated that matter, I do not understand épisode, je ne comprenais pas. In which year that happened, because the witness who were here was detained in 1973 at M13. So I don't know for sure whether the killing of the witness, the detainee who was tied to the pole. Détenu qui était attaché au poteau. À quel moment ça s'est passé? L'accusé, the person who was tied to the pole was ordinary person, and I would just to make sure that I understand correctly from the accused whether those people were really ordinary people. Des gens comme les autres. And how many times detainees were tied to the pole and combien d'occasions les détenus ont été attachés à un poteau et combien d'occasions leur a tiré une balle matter has already sur eux. Been cleared by the accused, and I think the accused donc, may not need to respond que cette to the question déjà again. Été, précisé par l'accusé et clarifié par l'accusé, donc je ne pense pas que l'accusé doit y répondre de nouveau. J'aimerais désormais inviter l'avocat des parties civiles groupe numéro 2 à poser des questions aux témoins s'ils souhaitent le faire. Merci, Monsieur le Président. Je suis Silke Stutzinski, et je suis convoqué des parties civiles. I have only very few questions. Je n'ai que peu de questions à vous poser. I would like to know. Je souhaiterais savoir. Monsieur le Président, The President, we cannot hear nous the ne pouvons pas entendre la traduction. Est-ce que l'huissier veut bien nous aider? Thank you, Mr. President. My name is Silke Stutzinski. I'm lawyer Stutzinski. For the civil parties, for the victims. Avocat pour les parties civiles, pour les victimes. I have only a few questions. Je n'ai que quelques questions à vous poser. When you stayed at night in the pit. La nuit, lorsque vous étiez dans la fosse. Did the corpses of the prisoners touch each other? Est-ce que les corps des prisonniers se touchaient les uns les autres? The witness, the detainees were les détenus shackled, étaient enchaînés on the to the metal bar and we were put bar en métal. Close to et one on another. Les uns contre les autres. You mentioned that you
cette question, vous avez fait état de cris, de hurlements de prisonniers qui étaient torturés. How often did you hear such à quelle fréquence entendiez-vous de tels hurlements? Was it every day? Est-ce que c'était tous les jours? The witness. I only heard the screaming once. Je n'ai entendu les hurlements qu'une fois. It was when I was walking. Une fois lorsque j'étais en train de walking past the place where people were tortured. Je passais devant l'endroit où les personnes étaient torturées. C'est la seule occasion où j'ai entendu des hurlements. How far? Question. Were you away from the à quelle distance vous trouviez-vous interrogation and de torture venues? Des lieux où étaient pratiqués les interrogatoires et la torture? The witness. I was about 20 meters from that location. Le témoin, je me trouvais à peu près 20 mètres du lieu en question, de 20 à 30 mètres de ce lieu. And do you know who was the interrogator at this moment? Et savez-vous quel était à ce moment précis l'interrogateur qui procédait à la torture? The witness. I don't remember that person's name, and I did not really pay great attention to. Because when I heard the screaming, I just turned away because I did not pay great attention because I was scared of myself for being accused of an informer who wanted to know other people's business. Then I just turned away don't remember their name. Et donc je ne me rappelle pas du nom de l'interrogateur en question. And now my last question, the execution. Dernière question. Seeing that you have observed donc l'exécution que vous avez observée, donc avec ces cinq détenus, the one in the middle donc was un shot. Au milieu, were these il prisoners avait été abattu. Male prisoners, est-ce que c'était des prisonniers de sexe masculin ou est-ce qu'il y avait aussi des femmes détenues? The witness. Those prisoners were all male, no c'était tous des female. Hommes, ces prisonniers. Il n'y avait pas de femmes parmi eux. Ok, thank you very much. Je vous remercie. The President, the floor is yours. Mr. Kong Pisai, thank you. Mr. President, and your honors, I am Kong Pisai. I would like to ask a few questions. Donc, je me présente, je suis Maître Kong Pisai. J'aimerais vous poser quelques questions. Lon was arrested with you along with another man. At that time, Lon was interrogated. À l'époque, and then à ce moment-là, Lon a été you interrogé, noticed that Lon's face was le visage de Lon there were bruises in Lon's face. So, do you know, donc, or did you know what happened to him? Vous savez ce qui lui est arrivé? He became like that. Ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui a fait qu'il était dans cet état-là? Eh bien, je vais poser la question. Il m'a dit qu'on lui avait donné des coups à l'aide de sandales fabriquées à partir de pneus de voitures. Autre question. You said, there was another man. Vous avez dit qu'il y avait un autre homme who was arrested, with you. Qui était arrêté. Was he interrogated at that time? Avec vous, est-ce que lui a été interrogé à l'époque? Could you please repeat your question? Dites-moi, I don't understand. Veuillez répéter votre question. Monsieur Compisay. There were three people arrested along with you. Il y avait trois personnes qui ont été arrêtées. Lon and you and Lon, vous-même et Cole. Says the witness. Dit so le was témoin. Cole oui. Also donc, est-ce interrogated? Says Mr. Pisay. Interrogé respond. At the beginning, bien, they were put début, together, but later on, they were divided. Et ensuite
qu'ils ont été séparés. I did not know whether je he was savais also pas interrogated s'il était également because interrogé. I was very scared. S'il était interrogé, I did not know whether I myself je ne savais pas si moi-même would die. J'allais mourir. After a fortnight, donc après 15 jours, cette personne est morte starvation. De faim. Another man named notre homme, named Tin, du nom de Tin, also died. Est également but, mort. Before he was arrested, mais avant d'être his arrêté, father paid son a visit père to M13. Lui a rendu visite, s'est rendu à M13 he pour le voir. In il vivait à Swinwoodham, dans he le village de Swinwoodham. Et il a demandé pourquoi son, père, son fils and a, then avait his été arrêté. Was also arrêté. Son père, and then his le père de cette personne était également arrêté, et son père est même mort de faim avant so, de, devant son fils. I was sent to Pusat, I avant d'être that envoyé event. Sur Pusat, eh bien, j'ai été le témoin Mr. de Pisa, ces événements. I would like to ask you another question concerning question. The detention. De Maître Commissaire, j'aimerais vous poser une question concernant votre pitch, période de détention. Lorsque vous avez été détenu avec les autres, lorsque vous étiez enchaîné, est-ce qu'on vous autorisait à vous habiller? Réponse, bien sûr. On n'avait que les vêtements que l'on avait sur nous. So when we got soaked, then there would not à notre arrivée, donc lorsqu'on était trempé, bien, il n'y avait pas de change de vêtements. Soaked, et wet, donc il fallait dried que out. Attendre que nos and vêtements no sèchent. One could bring personne any clothes ne pouvait to nous apporter the des vêtements come, otherwise they would be also arrested. Thank you, ne pouvait pas venir parce que sinon ces personnes auraient été arrêtées à leur tour. Rest at night, question suivante concernant la station la nuit, est-ce qu'on vous a donné une moustiquaire at night? Ou alors une response. Lumière no, réponse we did not have the mosquito. Non, nous n'avions pas even de moustiquaire, on n'avait même pas the mat to sleep on. De so tapis there were some de sol insects, sur lequel dormir, donc il y avait des insectes au sol, mais on a dû dormir en, another à même le sol. Say, Mr. Pisset, autre question, Monsieur Compisset, Maître Compisset. When you and other prisoners, lorsque vous both et d'autres at night and in the daytime fois, when you pendant had la journée to relieve yourselves, lorsque vous deviez vous soulager, you, est-ce que vous pouvez go to relieve yourselves, vous rendre dans un endroit pour vous soulager, or could, ou est-ce or you que were to relieve yourself est-ce at que vous, étiez, vous aviez la pitch. Possibilité de vous soulager response. Dans normally, la fosse, when we would want to relieve ourselves, then we would ask the guards, on then they would gardes, hand in a bamboo gardes, pipe, et donc so that we could un tuyau de bambou de manière à urinate in that bamboo, and then they could carry creux, et it ensuite, ils pouvaient emporter donc away. L'urine. And donc à l'extérieur if de la we fosse. Had to relieve ourselves in the et toilet, then si they would nous soulager le ventre. Us, to walk to their toilet. On devait se rendre à pied à ce, en ce lieu. In the jusqu'à pits, ce lieu, donc dans les fosses, the witness, dit people le témoin, were untied. Les personnes étaient détachées night, la nuit. Sometimes the hammock cord. Excuse me, the interpreter regrets that we cannot really interpret when the lawyer and the witness simultaneously respond to one another. Could you please slow down? Est-ce que vous voulez ralentir le rythme? Merci. Could you please repeat? The interpreter would like to for the record would like to interpret that part again. Du compte rendu d'audience, l'interprète souhaiterait que vous répétiez la dernière question. Question. Mr. Kongpisai, I may repeat the question, the precedent. Je peux répéter effectivement la. Could you please je peux répéter repeat la dernière question. Your question because it was not yet in the record. Au fin du compte rendu d'audience. Uncle Son, could you please repeat your question? Sorry, your response, because Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez répéter Monsieur le Président s'adresse au témoin et lui demande de répéter sa réponse à la dernière question. Witness, the detainees who needed to relieve themselves, ourselves, we would ask the guards, and they would then drop
et bamboo pipe et donc, in les gardes the pizza, and then we could relieve ourselves, and then after we creux, urinated dans la fosse, in that pipe, donc, then dans ce tube, we put we et ensuite, them to the guards, donc on les rendait aux gardes. To take them away. De manière à ce que ces tubes de bon creux puissent être vidés, emportés et vidés pour les toilettes, pour se soulager le ventre. Et bien, on devait demander aux gardes de nous emmener aux toilettes. Ils nous détachaient les chevilles, mais ils nous attachaient au niveau du poignet. After you merci. Question. Après after you relieved yourself, then the bamboo pipe was still left donc, in the pit. Est-ce que le tuyau en bambou creux, la branche de bambou, était laissée dans la fosse ou alors est-ce qu'elle était emportée à l'extérieur de la fosse? Oui, je peux préciser qu'effectivement cette branche de bambou était ce bout de bambou était so laissé dans la fosse. Donc lorsque la were there any le bad smell affecting the other detainees? Est-ce que il y avait des mauvaises odeurs que devaient subir les autres détenus? Réponse, oui, effectivement. Ça ne sentait pas bon, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? So that bamboo pies were designed for us cette tige de bambou était conçue simplement pour que nous ourselves in. So puissions nous soulager ou nous soulager dedans. They were in et the ensuite, pipes, in the bamboo pies, so bambou, we had no problem with the pie. So, était donc resté là dans la fosse. Pas de problème. Question. Regarding the relieving of yourself when people were shackled. Vous soulager lorsque les personnes étaient enchaînées? Comment est-ce que les personnes pouvaient se soulager lorsqu'elles étaient enchaînées les unes aux autres? While we just squat and then put the bamboo pie bien, under our back. On se positionnait, and then the on plaçait detainees who were close by could even assist us. Le morceau de bambou de manière à pouvoir uriner dedans et puis les autres détenus nous aider. If the question, question suivante, si les questions not easy to ce n'est pas facile. What about the pit? When you pit, what happened to the pit? Répondre aux questions, vous venez me le préciser. Because the bamboo tube was pretty big. Lorsque vous uriniez, parce que le tube de bambou était assez gros, il y avait peut-être 10 à 20 détenus at the same time. So only one or two prisoners il y avait seulement un ou deux prisonniers qui pouvaient uriner en même temps, et donc en même temps dans ce tube de bambou, si j'ai bien compris. Another question, says the lawyer. You did not have much to eat, but when someone was thirsty, could that person ask for water? Cette personne avait la possibilité I did not see anyone ask for water, says non, the witness. Je ne voyais pas, déclare le témoin. Only in the morning or during the meal time, à l'heure du repas. First, when we were detained, we alors, were very thirsty because détenus, that was from my personal experience. When our hands were tight, when we were shackled, ligotés, lorsque nous étions enchaînés, they tied our hands at two segments, and also they shackled our feet. Et également enchaînés nos and pieds. We were so thirsty, very, very thirsty, très at the time. À l'époque. The lawyer. So when question. You were thirsty, did you ask for water? Quand vous aviez soif, yes, est-ce que vous I did. Says l'eau? The witness. Oui. They gave it a. They gave a glass of water to me. Just a small glass. Petit verre d'eau. That's all. Even if we were so thirsty, that's all tout, what they gave it to très, us. Très soif. C'est tout ce qu'on nous donnait. How big was the glass? Question. It was like a three réponse. Real wine glass. C'était comme un verre. It was a short one. De 23 riels, c'était un it petit was the one verre. Which did not break if we drop it on the ground. Et c'était un verre épais qui ne casse pas s'il tombe par terre. Any other detainee réponse, who asked for it? D'autres détenus asked the lawyer. Qui demandent à boire? Yes, says réponse, the witness. Oui, yes. Oui. And did they receive it?
Yes, qu'on leur donnait? Says the witness, the guards oui, gave it to them. Les gardes leur donnaient. Thank you. L'avocat, merci. Some the president. The lawyer for group 3. If you have any questions for the witness. Le groupe 3 maintenant, avez-vous des questions à poser au témoin? Oui, monsieur le président, j'aurais une seule question, ce sera très Honor, très bref. I have just one question and bonjour monsieur Hodgson. Je suis Philippe Cannon, co-avocat Philippe 3 Cannon, des parties civiles. Of the civil parties. Vous nous avez parlé des fosses Hodgson, que vous avez creusées. Je voudrais savoir, une fois ou plusieurs fois, on a amené des détenus dans cette Detainees fosse, dans ces into fosses, the pit or pits, pour les protéger réellement protect them des bombardements. Effectively from the bombings. Were the pits ever used for putting detainees in the pits and to protect them against the effects of the bombings? The witness. The pits that house the detainees, the purpose was to protect them from the bombing les or not, I was not sure, but I myself I saw the pits were purposely built to hold the detainees. Des fosses construites en fait pour mettre des détenus, Dutch, pour garder les détenus. For Dutch, they probably had their own pit in order to protect them from the bombing, but those pits were built to protect to hold the prisoners. C'est des fosses qui ont été construites, creusées plutôt pour garder les prisonniers. Si then les bombes, the bombs would even collapse those pits. Tombées, those pits could not sustain ces the bombing. Fosses se seraient écroulées. Elles ne pouvaient pas supporter un bombardement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Thank you, Your Honor. I have no further questions. The President. Next. The lawyer for le group président, 4, if you have any questions. Groupe 4, avez-vous des questions à poser au témoin? Thank you, the President, Your Honors, the lawyer. I ask a question to the witness. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question au témoin. Actually, I have four questions. Quatre questions plutôt. Could you clarify that monsieur, est-ce que vous at one time you saw Dutch beating a woman? Dites avoir vu Dutch frapper une femme. And you said you heard him saying. Et vous dites l'avoir entendu dire. That was the name. The person belongs to the Monivong, the king's blood. And Dutch would êtes not beat or kill the king's family. Et I did not catch it. Les de la it means royale. He only killed the enemy and not je the king's members. Est-ce que cela veut vraiment dire can que you Duke clarify on this particular point? Les ennemis, mais pas les membres de la famille royale? The witness, I heard him saying that, asking, c'est ce que j'ai entendu what dire is your name? What's your father's je name? Dire quel ton nom, quel est le nom de ton père? He asked, who are your parents? What is the name of your qui father? Sont tes parents? Quel est le nom and de ton père? And the woman replied, she was a dark femme complexion. A répondu, elle avait la peau she said, my father sombre. Was a Wong. Et elle a dit, mon and père then Dutch s'appelle said, Wong. Don't lie to me. Dessus, you are the daughter of Monivong. La fille d'un Monivong. I'm not sure if he was joking or not at the time. Alors, that's what I heard. À l'époque, mais c'est ce qu'il a dit. Maybe he was joking with her or not. C'était peut-être and une he plaisanterie. Said, I don't kill the et king's dit, family. Je ne tue I only pas kill les the enemy. Royale, je ne tue que les ennemis. And I did not stay there and continue listening to et it. Je ne suis pas resté. Je suis parti. Je n'ai pas entendu la suite. But when I walk past, that's what I heard. Mais c'est ce que j'ai entendu thank en you, passant says à côté. The lawyer. Merci, dit l'avocat. My second question deuxième to you. Question. I think it is contradictory to Dutch statement. Let me clarify. Ce que vous dites et ce que dit when you saw sur le point suivant.
the killing of one person as arrested by other lawyers who were tied to a post together with other four detainees. You told the chamber that you knew the person who shot that detainee and the name was Jan. Is that correct? Sur la personne exécutée. I know this person clearly. Exact. His name was Ta Chang. Oui, il s'appelait Chang. Ta Chang. Earlier, you said Chan, Mi, and Bon. That's the names you said. You knew them clearly. Bon et yes, Miet. Says the witness. So you're not confused? No, I'm donc not. Il n'y a pas erreur sur la personne. Réponse non, je suis sûr. The president, may I be allowed to ask Dutch? He said he assigned someone to kill. And I'm not sure if that person was the same person as stated by the witness. Il s'agit de la même personne que celle mentionnée par le témoin. Dook a évoqué lui-même quelqu'un. The president, the accused, you can respond. Accusé, veuillez répondre à la question de l'avocat des parties civiles. The accused. L'accusé. I don't want to say about something that happened in details, but let me just confirm that the person who shot was not Conrad Chan, it was another person. Thank you, says the lawyer. Merci, my third question to you, says the lawyer. Au témoin. You informed the chamber that the reason for the arrest is that you went to buy pigs, and at that time there was no religion. Et qu'à l'époque, la religion était interdite. That society was a society with no religion? Comment saviez-vous que c'était une société sans religion? I understood that it was a communist regime. Nous étions en régime communiste. That is my personal understanding. C'est comme ça que je le comprenais. I did not go and tell everybody that there was no Buddhist religion. Because I believe myself that in the communist regime there was no religion. Mais je savais and in the end it was correct. It means my understanding was correct. Ça s'est avéré and juste. After the victory, they demolished the pagodas. They made people not to believe in religion. Et on a interdit aux gens de croire. So they did not allow to have any Buddhist religion exist. La religion thank you, says interdite. The lawyer. Merci, dit l'avocat. My last question to you. Et ma dernière question au témoin. When you were released, lorsque vous avez été libéré, you said you were sent to Polsat. Vous dites it que vous êtes envoyé à Polsat. You were sent to the liberated zone or to a free zone. En the zone libérée ou I was sent to the same liberated réponse. Zone. Envoyé en zone libérée. Not to the lonely zone. Et pas en zone gouvernementale. It was within the same liberated zone. Je suis thank donc resté you. I have dans no la zone question. Libérée. Avocat et partie civile, merci. Je n'ai the pas d'autres president, questions à poser. Next. Le président. Je donne maintenant give the floor la parole to the defense counsel. Aux avocats de la défense. So that you have the opportunity to pose questions to the witness. Souhaitez-vous if poser you des have questions any questions, the floor is yours. Maître Karsavut. Mr. Karsavut. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I like to clarify with a witness. Can je you state it clearly? Clearly? This morning, the President matin, asked you, le président vous a posé as a witness, question. That at that time, when you were detained there, did you see? Concernant because you said there were male, female, and children, and then the president asked how many children, as a witness, you informed the president that there were 30 children. Vous avez dit qu'il y avait but 30 enfants just then, when the co-prosecutor asked you how many children who went with their parents, you said there were 10 children. Can you confirm clearly whether there were 10 or 30 children? Ou 30 enfants à M13. The witness. Réponse. The children who were sent there, there were many of them. Il y a eu beaucoup d'enfants envoyés à M13. When the Udong area were defeated, there were many, and this tombé, is a very long story. Ça, the villagers were arrested, des villageois ont été and there were probably
10 of them at a time. But if I describe about the fallout, don't have many children, and it's going to be a long story. À ce moment-là, beaucoup d'enfants amenés, mais c'est une histoire qui risque de durer longtemps. Mr. Castle, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur the Defense Council has no further question for this witness. La défense n'a pas d'autres questions à poser aux témoins. Le président Maître Rouge. The President, the floor is yours, Defense Council. Nous aurions des questions à poser parce que je crois que le témoin est un peu fâché avec les chiffres, mais en dehors de ce problème de chiffres, nous n'avons rien à dire. Merci. Difficulty with figures, numbers, but apart from the numbers issue, we have no other questions, no other issues to raise. The President, if you have any particular questions, please rest. Le président, si vous souhaitez poser une question particulière, faites-le. Merci, Monsieur le Président. Ça ira comme ça. Merci. Thank you, Your Honor. We can do without that questioning. The President, the proceeding for today is coming to an end. Nous en avons ainsi terminé pour aujourd'hui. We don't have any time for any for the next witness. Nous n'avons pas le Mr. temps d'entendre Thorne, aujourd'hui the le chamber témoin has suivant. No further questions for you. Nous n'avons pas d'autres questions à vous poser, so monsieur Ourson. You can return to your vous residence. Disposer, rentrez chez vous. Court officer, please facilitate him de bien vouloir accompagner le témoin in coordination with the visu to facilitate his return to his residence. Et je demande au service des témoins et des experts the d'organiser le retour de témoin chez lui. The adjournment of la today's hearing. Et l'audience and est the chamber will resume on the 20th of April 2009 from 9 a.m. à 9h du matin. Security guard, take the accused back to the detention and bring him back à sa cellule to the courtroom on the 20th of April before 9 a.m. Un peu avant 9h. Likewise, for all the parties and the les public who public wish to attend the hearing, please return before 9 a.m. on the 20th of April 2009. Le 20 avril. The lawyer, may I get your attention, Your Honor, if you have any detailed agenda? The President? Avez-vous un programme pour le 20 avril? The chamber will notify the detailed agenda tomorrow. Vous communiquer un programme plus détaillé pour this is the first week of the trial, so we had to recalculate the time and the rescheduling of the proceeding. And tomorrow morning, we will provide you the notification of the detailed agenda. Sur ce programme. Sung Jin Krang Chow, please stand up. Veuillez vous lever.